Bonjour, on est au forum des associations à Leclerc et on vient de rencontrer Hubert, alias Bébert. Bébert, vous avez quel âge ? 90. Et qu'est-ce que vous venez de nous dire à l'instant avec, parce que je suis avec Roselyne, je suis avec Lydie, je suis avec... Oh là là, toutes ces merveilleuses Lydie. Et Lydie, bien sûr. Et voilà. Et donc, qu'est-ce qu'on disait que... Vous disiez que Lydie, elle avait le même caractère que vous. Oui. Et qu'est-ce que vous disiez après, à la fin ? On n'avait aucune rancune. Il n'y avait pas de rancune. Et pourquoi ? Pardon ? Pourquoi vous n'aviez pas de rancune ? Mais je ne vois pas pourquoi j'aurais de rancune. Et pourquoi ? Pourquoi vous n'avez pas de rancune ? Mais parce que mon caractère... Je ne sais pas comment vous répondre à ce sujet-là. Parce que tout à l'heure, vous m'avez dit, parce que quand il y a un problème, on le dit. Ah oui, ah oui, d'accord. Je ne savais pas très bien. Oui. Ah oui, parce qu'on a déjà dit tout à l'heure, donc c'est moins drôle pour vous. Vous pouvez couper là. Oui. Et oh non, après. Nous on coupe pas, nous on est naturel. Non, mais dites-moi. Alors oui. donc on disait que quand on a un souci, on communique. On communique. Et puis on s'explique. On s'explique. Et puis souvent, ben, ça, après on dit allez, on n'en parle plus. Et voilà. Et si c'est avec quelqu'un, ben, donc c'est un homme. C'est avec un homme, on boit un petit coup. Hein ben voilà. Comment ça, parce que les femmes elles boivent un petit coup? Non mais oh. Nous on sait faire le rire du shaker. Oui. On peut faire le rire du shaker. Allez, les filles. Et oh. Et ah. On peut boire un petit coup aussi de rire. Donc voilà, l'histoire du jour, si on la résume, c'est communiquons, parce que il va forcément y avoir des malentendus. Oui. Un moment ou un autre. Oui. Et donc, si on dit des choses... On s'explique. Et puis, ma foi, ça t'attendra si ça t'attend bien. Ben oui. Ça t'attend toujours plus bien. Ou alors, bon, on fait un petit peu la gueule, mais ça va, et c'est fini. Hop, on passe à autre chose. Voilà. Donc, en fait, Bébert, il a 90 ans et il fait de la communication non-violente sans le savoir. Oui. Bravo, Bébert. Je la vois... C'est pas Bébert, c'est Patrick. Patrick. Bon, prenez soin de vous, ça en vaut la joie. Nous, on vous quitte avec des rires. Et Lydie et Sandrine, des petits rires. Et sinon, rire aux éclats, l'association Sable d'Olonne, on vous attend bien sûr, hein, pour rire aux éclats. Ciao.